Alors, le 54, donc, pareil, c'est intéressant, des origines assez atypiques, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir autour de ce ring de Moulin, puisqu'il s'agit d'un fils de Tom Spirit, qui nous est présenté par Bertrand Stable, Bertrand de Foucret, de Ratouille. Donc voilà, Charles Spirit, la mère par Paco Boy. Deux grands riders eux-mêmes. Charles Spirit a remporté le prix en Prague, le Moulin Longchamp, et même en Angleterre, les couilles, il avait pardon, sur la famille de Freddy. De Freddy et de Charles Spirit qui fait la montre au Radio Logis Saint-Germain à 5000 euros. On est allé instrument confirmé. Et la mère, regardez, c'est une source de Dunedin. C'est phénoménal, le Dunedin, grand voyageur, vainqueur de la Mille World Cup. Dunedin. Entraîné en France par Michael Delzange et donc vainqueur de la Mille World Cup, le deuxième français vainqueur de la Mille World Cup pour être tout à fait précis parce que le premier c'était l'année précédente en 2010 avec en 2011 d'ailleurs avec Américain entraîné par, par Alain Doré Dupré. Alors là on vous parle beaucoup de plats évidemment, mais regardez, il y a des références très importantes en obstacle sous la quatrième heure puisqu'on a le champion de Berry. Magnifique cheval gris, presque blanc, qui avait remporté le prix Maurice Bois, un cheval de l'amour, troisième de l'Aise du Sein, un cheval très impressionnant qui allait devant. Un peu plus avant, il y avait eu son frère aussi, Berryville, qui a fait des difficultés, Berryville, Derby West, et puis après l'obstacle, du coup, à deux reprises. Et tout récemment, on a aussi Sonny Berrys. Sonny Berrys, c'est la gagnante de l'Istud, le plus grand frère chez Gabi Villers. Voilà, donc là, on a vraiment une origine qui est capable d'aller au plus haut niveau dans les deux disciplines. Et avec un fils de Charles Spirit qui est né, je ne vous l'avais pas dit, le 18 avril, qui est le 5e premier de la mère, sachant que le premier Charles a gagné déjà par Charles Spirit. Donc le croisement a été refait. Ce qui est tout à fait logique.